Comment ça va? Moi, ça va nickel. Moi, ça va nickel. Moi, je vois Zelda aujourd'hui. Toujours dans l'attente de TOTK. Un jour. Faut que je vous montre ce que j'ai acheté hier. Bon, j'étais revoir le film Super Mario. On a été manger japonais, puis ensuite de ça. On était allé à Ikea. Mais faut que je vous montre ce que j'ai acheté à Ikea. Et ouais, les potes. J'ai acheté ça. C'est pour égoutter. On m'excuserait, il y a une lune de sang sur Zelda. La lune de sang, elle brille à nouveau, bref. Et en fait, regardez, je vais vous montrer. Pourquoi est-ce que j'ai acheté de quoi égoutter mes assiettes? Eh bien, ce n'est pas pour égoutter mes assiettes. Ah ah! C'était un prank, en fait, les amis. Tout simplement. Regardez. Un truc qui va tenir mes plaquettes de Gundam. Ouais. Bon, après avoir, en vrai, ça m'a coûté 4 balles. Si vraiment c'est pas utile, je m'en servirai pas, quoi. Bah bon. Bon, bah, du coup, on est sur une lune de sang là. Attendez. On est sur une lune de sang. Est-ce que c'est grave? Non. Guette-moi ça, on voit pas la lune. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sur le télépiaf. En vrai. On va avancer sur les piafs. On voit pas la lune, hein. Dégage compartiment d'arc et plein dommage. Hop. Du coup, on va se TP. Ouais, c'est vrai qu'on était là. Au village Piaf. On va commencer. On va commencer l'arc narratif des Piaf. Alors, yo mec, comment tu vas? Serait-ce me ou sur mes manières? Excuse-moi, jeune homme, je m'appelle Kai, je suis le chef du village Piaf. Oui. Un petit oiseau. Je suis pas l'héritier en fait, c'est je suis. T'es pas à l'air fort de garder un.
grip. Il est où? Là. Hi. Bah là, ok. Yeah. Non. Il y a un au-dessus? Ah oui, il y a un au-dessus en fait. Yeah. C'est vrai qu'elle est non putain, avec la croix directionnelle de la manette pro me détruit. Elle m'exaspère. Cette croix, merde. Voilà. J'ose. Il va être encore en haut. Pas possible. Pas possible du coup. Il est où là? Il est où? C'est bien le Vamedo, ouais. Hein, ah, faut que je parle à des ailes. Oh. Hey. Ouais. Je sais où c'est. Mmh. Si, si, si. Oh, le souvenir. T'as plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Revali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille éperrouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... là-haut? Ah non! Suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Eh ben je savais que Revali me cassait les couilles, mais j'avais oublié qu'il me cassait les couilles à ce moment-là. Mmh.
vraiment, il est insupportable. Ouais, ça c'est bien là-bas. Bah non, on va pas mettre un tampon en fait. On va juste me TP là, moi. Un tampon. Nous y voilà. Hop. Tchac, tchac, tchac. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Arc de l'hirondelle. Hein? Link. Oui, d'accord, on sait, t'es le peuple Piaf est un peuple Pia, nani, nanana. Ciao, merde. Hein? Ouais. Je vais te leur casser la gueule à tes cibles là en 5 minutes. Ouais, j'ai pas été très vite, hein, mais... Hein? Un.
Ah oui, quand même. Ah non, on est bien, bien assez là. Oui. En fait, ils sont teuteux, hein. Ils sont vraiment teuteux, les piafs. Hein. Allez, go. Oui, d'accord. D'accord. Mais je suis protégé contre le froid. Allons-y. Tu vas y arriver. Ça va faire mal. Non, petit zilou. Un peu long quand même, non? Je sais pas si on meurt. Encore un et c'est fini. On change le machin rouge là. Alors de souvenirs par contre, je pense qu'on va rouler très facilement sur, ce truc là. Je crois que c'est le premier en termes de facilité. Il me semble. Hein. Je pense qu'on raconte des conneries. Hein. Impeccable. On a réussi! La barrière a disparu! Avec ses tirs de canon. Désolé, je vais devoir retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave, t'en fais pas pour moi. Occupe-toi plutôt de Vamedo. Vas-y, Link.
Tu vas y arriver. Si l'ennemi se réfugie derrière son bouclier, prive-le de la protection en le frappant d'un coup de hache ou d'épée à deux mains. À deux mains. Bizarre quand même. C'est pas vraiment une cinématique. Tiens, tiens. Mais qui voilà ? Ah bah si, en vrai. Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. J'imagine que tu es venu reprendre mes dos à Ganon. Alors va chercher la carte. Tu en auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine. Voilà la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à l'atteindre. Oh, j'en ai plus que 52. J'en avais tellement. Alors. Ouais, au vu de la facilité que j'ai eu à atteindre ce play, il me semble que c'est vraiment la bête la plus simple. Tu as trouvé la carte de la créature divine ? Parfait. Parfait. Alors, regarde-la. Si on veut récupérer la créature, pas que je n'ai... Parfait. C'est ça, c'est après on peut le bouger sur trois axes. Ok. Ok, ok. Ah, ça a pas marché. Ah, il est chibi. Oh, ça devrait passer, hein. Ah non. Non, là, du... Puis j'ai pas une épée de ton... Ah, si, ça va. Voilà. Thank you.
Salut Wada. Bah, je suis en low latency, donc ouais, c'est pas étonnant. Puis de souvenir, Twitch, ça t'a fait ça. Quatre terminaux de contrôle. Sur le chat. J'ai déjà vu des escargots plus rapides que toi, tu sais. Oh, je le déteste, Ravali, en vrai. Ouais, j'aurais dû attendre. Si je me laisse tomber, je réapparais, non? Oui, si ça me fait réapparaître, s'il y a un truc en haut. Non, il y a rien. Là. Du coup, me semble. Bon, après, c'est la même chose de chaque côté. Ah, si, c'est par là, je suis allé. C'est vrai, on a tapé l'œil et puis on n'a pas récupéré le contenu de ce coffre. Ça va. Il y a mieux qu'un arbre quand même, mais. Exactement. Je suis en train de faire la pierre bête avec le pierre prodige, t'as vu, Avalon? Petit ingrat là. Il reste 3 terres. Non, c'est le pierre. Bien ça.
ça déjà. C'est quoi ça? Ça souffle. Ça, ça bouge. Très bien. Si je fais tourner ça comme ça. Ça, par contre, je le garde. Ici. Pour le faire passer, du coup. Les deux autres sont de l'autre côté. Décaler. Bon, ça passe normalement. Je sais pas comment faire. Oh, ça passe largement. Il ne reste plus. On va aller juste chercher le coffre là. Ah, dommage. On va réessayer. Ça va pas comme ça du coup. Non, normalement on se lâche de là-bas, mais c'est pas drôle. Non mais ça marche pas. Bon, tant pis. Alors, poser. Ça va là-bas. Pose. Ensuite, on en remet une. Là de l'autre côté. Hop. Hop là. Je sais plus exactement ce qu'il faut faire avec la boule, c'est juste que là je vais récupérer le coffre. Il y a plein des armes à deux mains en vrai. Hein. Ouais, c'est plus utile. Bon, du coup. Il va y avoir un truc avec ça. Je suis trop bête. Avec ça. Ouais, allez go.
J'ai capté. Le coffre dans le mauvais sens, mais pas RP. Ouais, dommage. J'espère que tu comprendras pas quand même. Ah oui, non, c'est complètement ça. Oui, non, t'as complètement raison. Le son du jeu, je sais pas pourquoi, était aussi fort. Et du coup, on se rebalance par là. Et là, dans le doute. Ouais, non, ça va. Il va tout seul. Ok. Impec. Non, je sais pas pourquoi le son du jeu était aussi fort. Le son du jeu est toujours très fort là en vrai. Hein. Et voilà. On va pouvoir aller casser la gueule. En vrai, c'est parfait là. Là, c'est parfait. Ou c'était parfait avant. Tu as activé. Regarde un peu. C'est pas le moment. Non, Pimrov, t'es une merde. Waouh, wow, merci Zetster. T'es trop mignon, mec. Eh, dans un mois, ça fera 3 ans de sub. Hein. De fou. Le seul ayant réussi avant toi, c'est Vormip. Hein. Ça, peu de gens le savent. Hein. Non, Pimrov, t'es une merde. Waouh, roi d'Afou, incroyable. OMG. Such dingus, man. Avec son Prime Gaming. Attendez, parce que je veux ce coffre là. Un cœur antique. C'est pas très nice. Et du coup, il faut qu'on aille sur Vamedos. On va aller activer le terminal. Il y a un coffre là. Merde. Partir. Faut partir. Ouais, ça y est. Raté. Ouais. Quand je fais ça, faudra que je change de bouclier. Normalement, on a tous les coffres. Hein. Et pif. À l'ombre de vent de Ganon. De Ganon. Moi, j'ai manqué de vigilance il y a 100 ans. C'est une erreur qui m'a coûté la vie. Ça me fait mal de te demander ça. Tu dois me venger. Tu m'entends? Tu m'entends? Hein? Attention, ces tirs sont précis. Alors reste sur tes gardes. Allez. Il tire bien plus vite que je pensais.
Attendez, c'est du coup nous en avons des pleins. La colère. On peut aussi attaquer depuis un angle mort, alors reste bien sur tes gardes. Il est où ? La bûche. J'ai combien de flèches encore ? Ah, plus que 13, hein. Bon, ça va être une place. On détruit ça ? Ah oui. L'arc s'est brisé. Récupère tes forces, tu ne peux pas finir tes jeux ici. Ouais. On va récupérer nos forces, là. On va bien récupérer nos forces, là. Donc il était quand même sacrément simple. Coup trop fort, bah ouais, non mais ça c'est normal. Hein. Ça c'est... C'est juste la vie, Rwada. Hein. C'est... C'est normal. Je suis né pour être trop fort, en vrai. Non, je vais l'activer juste avant.
Non. Ne me dis pas que tu as réussi à la vaincre. Est-ce que tu peux être agaçant? Cela dit, il faut bien avouer que c'est grâce à toi si mon âme a été libérée. J'ai même pu récupérer le contrôle de Meadow. Tu t'es bien débrouillé, je dois le reconnaître. Une récompense est de rigueur, j'imagine. Je vais t'offrir le pouvoir des courants ascendants. La rage de Revali est maintenant tienne. Je vais maintenant me charger de déplacer Meadow et la préparer à notre affrontement contre Ganon. Quand tu seras prêt à le combattre au château d'Hyrule, nous serons tous deux là pour t'aider. Et ne me remercie pas, surtout. Allez, vas-y, je ne te retiens pas. Tu as encore beaucoup à faire, je me trompe. Princesse, cela fait si longtemps qu'elle t'attend. Revali la tsundere. Bien, Meadow, tu ne pouvais pas choisir meilleur endroit. D'ici, tu ne risques pas de manquer Ganon. Quand le Gringalet l'affrontera, je compte sur toi pour calmer ce monstre d'un coup bien placé. Pour le moment, il nous faut patienter. Ça fait 100 ans. 100 ans qu'on attend ce moment, toi et moi. On n'est plus à ça près, n'est-ce pas ? Je suis bien obligé de reconnaître que je l'avais mal jugé. Il a beau ne pas savoir voler, il est arrivé jusqu'à la créature divine. Et il a réussi là où j'ai misérablement échoué. Je m'incline, Link. Tu as gagné. Tu es notre seul espoir de remporter la victoire. Revali la tsundere, ce sera le titre de cet épisode d'ailleurs. La rage de Revali. Bon, ça doit pas être très haut. Hein. Je pense que celle dont je me souviens, c'est... Ah si. Ah non. C'était quoi l'upgrade L'upgrade d'ailleurs du coup du TLC. Ouais. Vas-y, offre-moi.
Oui, c'est moi. On va pas le prendre tout de suite parce que on n'a pas de maison. Ah bon, on va faire ça. Hop, allez, donc on va au village d'Ilimis. Ah, ce serait bien qu'on... ce serait bien qu'on finisse ça aussi. On a trois créatures, on a toujours pas fini de découvrir la map. Bon, après... pas très grave, quoi. Ah, il faut 3000 rubis. On va aller faire du bowling du coup. Avoir 3000 rubis. Parce que là, on en a 663, quoi. Il va falloir qu'on trouve des fagots de bois aussi. Bon, des fagots de bois, il y en a plein dans la forêt à côté. Donc, ouais. Alors, donc on retourne, on va faire du bowling. Le boubou. Non, c'était en dessous de la tour. Elle est où la tour? Là. Là. Non? Non, c'était cette tour-là. Je me sens plus si c'est ici. C'est ici. Donc on va faire du bowling, hein. On va aller un peu vite. C'est pas ici le bowling? Si. Yo mec, je viens de pouiller. Va falloir qu'on le fasse 11 fois du coup. Ah bah non, on a déjà 600. Donc non, va falloir qu'on le fasse 8 fois. Oh. Oh. Ça devrait nous prendre 5 minutes, je pense. Ah. Oh. Oh quoi? Ah la loose. Oh. Moi je veux juste poser une balise sur un donjon moi. Oh. Un spare, ouais, c'est 50 non? Pas un rubis rouge? Ah. Ah non, c'est rubis argenté, ok.
Ouais, c'est parti, bon, je veux jouer. Faire ça tout de suite, quoi. Paf. Tac. Et le strike. Trop fort au bowling, hein. Je fais 330 points à la fin. Oui, je veux rejouer. De toute façon, il me faut 3000, donc... Je me pose la question si j'ai mis... si j'ai déjà upload la dernière VOD. Ça, c'est moins sûr. Ça foire ça. Ah non. Attention. Hein. Il est dangereux. Hein. À droite. Ouais. Non. Si. Tra, c'était trop à droite. Par contre, là, du coup, pour avoir la dernière... Aucune idée d'où mettre la quille. Enfin, la boue. Ah, mais elle reste les dernières. Ok, bah, en fait, tu peux la mettre là. Avant la poussée. Non. Je pensais, mais non. Bon, tant pis. Dommage, tellement dommage. Là, c'est violet en plus, les 50. Je me suis planté de là. Ah là 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 là. Non, en vrai, ce serait beaucoup trop long juste pour des rubis. Il y a le glitch là où tu déplaces le gardien qui a plus de pattes là. Pour l'emmener dans une zone où il est loin. Enfin, pour être une idée. Bon, ça prendrait toute une VOD quoi. C'est bon.
Ouais, ouais, mais en fait, là, il m'en faut 800 de plus, hein. Ouais, on a plus que 3 fois à le faire. Attends, non, non, 4 en fait. 4 fois. Oh. Ah non, 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 3 fois en fait. 3 fois, ce sera suffisant, je fais. On est à 2002. On bat 4. Oh. Allez, plus vite que ça. Oh. Ouais, je pense que je ne me suis pas avancé assez. Faut que je m'avance plus. Ah bordel. C'est ça, ouais, tellement dommage mon cul, ouais. Truqué ton jeu, il est truqué. Mais non, si je voulais jouer. Oh. Ah, ah. Je veux jouer, je veux jouer. Je veux jouer. Oh. Oh. Non. Mais j'ai perdu le repère, hein. J'ai perdu le repère. Oh, ça c'est beau ça. Oh, c'est très très beau. Ah. On est marre. Ça avance pas. 2400. On le réussit encore 3 fois. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on doit le réussir encore que 3 fois. Oh. Mais on est marre, hein. Je le mets trop à gauche, je le mets trop à droite, j'en sais rien, mais... Je suis en train de m'agacer, là. Eh oh. Là. Ouais, non, pas là. Bon, je suis trop à droite du coup. Oh.
Oui, je veux rejouer. Arrête de me poser la question si je veux rejouer. Il y a 10 minutes, j'ai dit que ça durait 5 minutes. Sauf que j'ai plus foiré que réussi. On perd du temps, papy, dépêche-toi. Mais non 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 non. Ça pour une maison, pour exposer des armes, pour éviter de les utiliser. Que j'aurais dû faire pour le bouclier lien dès le début. Avant de le perdre dans l'eau là. Oh pas gauche. Ah non c'est bon. Non mais c'est la boule qui m'a déplacé. Donc pas trop avancé et un peu sur la gauche. Voilà 15h. Voilà 15h. Ça y est, plus que 2 fois. Elle fait. Le snapback, c'est un enfer. Ça devrait pas exister le snapback vraiment. Pour exister le snapback. Ouais, ok. Encore que. Si, si, on le fait. On risque qu'une fois on se place à 3000, on va récupérer les fagots, puis on y va. Hein.
Allez hop, on va récupérer les fagots. Maintenant, on va aller prendre des bombes, on va aller casser la gueule à des arbres. Fuck la nature. Encore. Il y a un blanc. C'est la première fois qu'on croise un mob blanc, non? Je sais plus. Combien des fagots? 12. Pas une hache. Si j'en ai une, mais j'ai pas envie d'utiliser celle-là. C'est ça. C'est ça qu'on peut les gagner. Fais l'arme.
4. Tape les glands là. Allez, donne-moi une récompense là. Ah. D'accord. On va bien vous faire foutre. On en a 30, c'est bon. Ah, il est là. Bah marche plus vite s'il te plaît mon ref. Va plus vite. Va plus vite. Va plus vite, délèche-toi depuis ça. Allez hop. Oh.
Ah oui, c'est vrai qu'on en a qu'un. Alors non, du coup... Voilà. Hop. C'est mon cheval, ça. Ah oui, c'est mon cheval. Poignée. Rendez-vous. Oui, c'est ça. C'est combien déjà? 100. Une boutique pour vendre, on va aller vendre des cailloux. Hein. T'achètes ? Je sais plus s'il achète lui. Qui achète? Ah, un peu plus en. Yo. On va en vendre 3. Voilà, ça suffira. Non, je parlais de ça suffira des zaphirs. Le jeu il m'écoute trop. Non, le Gemnox, non. On va en vendre 4. Tac. C'est quoi déjà comme armure ici? Ah. Rien alors, non. Mais il y a la capuche elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Hein. Voilà. Du coup, on va retourner voir le type là-bas. Ah, bah oui, normal que mon folle me suive ici. Pas qu'il soit là. C'est bizarre, il s'est déplacé tout seul. J'ai plus l'habitude, moi.
construire un truc. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Oh, il est chiant. Alors, on a l'arme du coup pour le truc. Est-ce que arc et arme c'est différent? Me semble. Ouais, on va en mettre un pour arc. Alors, maintenant, on va aller chercher. On va aller chercher l'arc. On va aller chercher le brise caillou. Je sais plus comment il s'appelle. Brise montagne. Ah, puis après on ira voir une fée, puis ensuite on coupera la VOD. Équiper une arme hein, au cas où. Maintenant, là, cela, cela, on devrait réorganiser ça en tant qu'à faire. Et puis, cela, ici. Je sais plus par contre comment on le récupère le bruit mental. On va sûrement pouvoir parler au chef et puis il va nous la donner. Hein. En vrai. Ou alors à Yunobo. Je sais pas. Comment ça, je peux pas nager dans la lave? Je comprends pas. Ok, nice. Ensuite, du coup... Attends... Ah si, je l'ai, il est là.
à mes souhaits. Puis ensuite on va aller voir une fée. Non, ça tu la récupères. Et voilà, maintenant on va aller voir une fée, puis on va arrêter la VOD, d'ailleurs même le stream je pense. Ou alors on ira... Non, on arrêtera... Si, on va arrêter le stream. Je jouerai demain. Demain je jouerai plus longtemps. Je commencerai plus tôt aussi surtout. On fera genre à midi 45, 15h45, un truc comme ça. Je voulais faire quoi? Ah oui, une fée. Où est-ce qu'elle est la fée la plus accessible? Ouais, c'est celle-là. Hein. Eh bien, une fée là. Je crois que je me plante, mais... Non, non, je me plante pas normalement. Putain, c'est vrai, du coup, c'est les missions pour le village, elles ont commencé. On va aller faire un tour. Améliorer la cape. Enfin, la cape, pas que la cape, sinon on peut améliorer autre chose. Non, on va améliorer la cape du coup. Alors. Ok, on peut encore. À partir de 3, je crois, par contre, on va pas pouvoir. Hein. Parce qu'à 3, il commence à nous demander des trucs un peu importants. Comme... Ah, si on peut. Un viscère de gobelin. Enfin, de gobelin, en vrai, c'est tranquille. Hein. Mais par contre, là, du coup, on peut pas augmenter à 4. Parce que tout simplement, on n'a pas la fée. On n'a pas la fée. C'est une fée qu'on trouve dans le désert, donc je viens à peu près où? C'est un peu au fond, derrière un squelette immense de bête. De souvenir, il n'y a pas un TP à avoir. Me semble. Hein.
semble qu'il y a un TP ici hein, quand même. Ça ressemblerait bizarre qu'il n'y ait pas de TP surtout. Zéro, pas mal, oui, c'est vrai. Ok. Bon, bah on va arrêter là. Je sais pas si on fera vraiment quelque chose pour ça en vrai. Hein. On fera vraiment village, je pense pas. J'aurais pas trop d'intérêt à le faire quoi. Enfin bon, sur ce, on va se laisser là. J'espère que ce stream vous a plu. Donc on a fait Révali, Sundere. Bah du coup, je vous donne rendez-vous demain, comme j'avais dit, dans l'après-midi. Peut-être cette nuit, je ne sais pas. Enfin, n'oubliez pas, il n'y a pas 12 ans le poteau au feu, puis bon appétit.